Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Transport Fever 2. Alors oui, ça fait longtemps qu'on n'a plus joué, donc je me suis dit, ben, vous savez quoi, on va se repartir sur ça. On va pas faire de campagne. Je suis pas sûr que ça va me plaire vraiment la campagne. Non, non. On va partir sur un jeu libre, tout simplement. Alors, j'hésite. Je suis moyen chaud niveau tropical, même si c'est tout nouveau. Je crois que je préférerais rester sur du sec ici. Ouais, on va faire ça, on va rester ici. Alors, on va faire niveau canyon, on va peut-être diminuer. Ouais. Alors, Mesa. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est la hauteur ou quoi? Crête. Ça, c'est, je suppose, là. Ouais. Ok. Je suis pas du tout préparé, hein. J'ai pas du tout fait attention ou n'importe quoi. Ok, alors. Bah écoutez, je vais mettre très élevé partout. Je me souviens, mais tellement plus. 15 villes et 121 industries. C'est pas mal, 121. C'est plutôt pas mal. Allez, on va mettre élevé. Ce 121, c'est peut-être un peu trop. Non, c'est parfait. Et 15 villes. Ok. Ben écoutez, je crois qu'on peut. On peut y aller. Alors, on va se focus sur États-Unis. Voilà. Date de départ. J'avais mis 1880. On peut commencer par 1000. Ah, quoique. On peut commencer par 1880. C'est parfait. Difficulté moyenne. Ok. Ben écoutez, c'est parti, hein. Je sais plus trop, j'ai plus du tout rejoué depuis la dernière fois sur YouTube, donc vraiment c'est un nouveau total départ pour moi. Et je suis désolé, hein, je parle donc j'ai du mal à parler dans le jeu, c'est fou. Ça marche que quand je fais des vidéos. Je peux parler à tout le monde et j'ai aucun problème, mais maintenant que je fais une vidéo, je suis en mode. Alors, la fenêtre ville énumère tous les facteurs de développement urbain. Alors, oui, il y a aussi le Steam Workshop. Steam Workshop que j'ai jamais exploité et que je crois que je devrais essayer d'exploiter. Parce que bah, il a l'air assez sympa. Surtout pour des jolis trucs. Alors, moi, je me demandais plus niveau mode, mais bon, on verra bien. On va un peu voir. Comment ça va évoluer? Ça va être des vidéos de 20 minutes max. J'ai pas envie de faire plus, tout simplement. Les scénarios, hein, comme je vous dis, j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je les fais ou pas, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'on les fera à un moment donné. Peut-être, je sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. Allez, charge s'il te plaît, cher jeu. Ce serait cool. Non, il n'a pas envie, on dirait. Ben écoutez, moi j'ai déjà vous dire maintenant, n'hésitez pas à liker tout à l'heure si la vidéo vous plaît, à commenter aussi pour ben, par exemple tous les mods qui seraient intéressants, et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous êtes de plus en plus, encore une fois, hein, je dis ça tout le temps, mais vous êtes de plus en plus, donc c'est génial. Lancer une partie sous les trois climats. Ok, yes, j'ai eu un. Un succès. Allez, ça commence bien. Ok. Alors, voyons voir un peu comment ça se passe. Ah ouais, ça zoome fort. J'ai plus l'habitude, hein, vu que à chaque fois je vais sur Cityscanners. Ah ouais, c'est vrai que. Oh. Ok, c'est génial, mais c'est-à-dire qu'on peut pas passer partout. Ou alors un beau petit pont, quoi. Alors, est-ce que je peux changer les paramètres de mon clic molette? Interface, mètre, kilomètre, kilowattheure, et donc tout ça c'est bon. Contrôle. Inverser l'inclinaison. Ouais, voilà.
Quoique. Bah écoutez, c'est pire, j'ai l'impression. Allez, on va commencer parce que sinon on va jamais faire. Qui a besoin de bois? De planches plutôt. Alors on doit analyser, hein. Je suis désolé, là ça a commencé à être. Voilà, ça pourrait être intéressant ici. Voilà, on va commencer par ici, à Ponoma. Ponoma sera notre ville de départ. Alors, on va se faire. C'était comment encore? Voilà. Dépôt de voiture. Ah oui, ça c'est les dépôts. Ok. Mais on va mettre le dépôt bah, par ici. Ah merde. Ok. C'était comment qu'on tournait? Ok, c'était avec N et virgule. D'accord. Alors ici, on va se faire un relais routier. Alors. Merde. Faut que je retrouve, hein. Ok, donc ça c'est pour descendre et ça c'est pour monter. Parfait. Donc on va faire comme ça. Voilà. Alors à partir d'ici, on va. Alors est-ce que c'est ceux qui connaissent, enfin ceux qui connaissent le jeu, est-ce que vous savez si genre plus c'est clair, mieux c'est ou genre je peux me mettre genre là c'est toujours accepté. Je pourrais tester. Par contre, on va mettre la forme de gauche. Non, on va garder celle de gauche et on va enlever celle de droite. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Alors, je suis désolé, vous allez peut-être critiquer tout ce que je fais, mais je vous assure que c'est assez. Ça fait longtemps, et du coup, bah, c'est assez difficile, hein. Ok, bah ça, je crois que ce sera pas mal. Parfait! Alors, par contre, on va arrêter le temps, hein. Ça va rien. Alors, on va d'abord créer les lignes. On va créer une ligne qui va faire de là à là, de là à là, et de ici à ici. Voilà. Ah oui, on aurait pu faire des trains, mais pour le moment, ça sert un peu à rien. On va commencer à faire ça juste pour gagner de l'argent. Acheter des véhicules. Alors, une petite calèche américaine. Toutes les marchandises, toutes les marchandises. 20 km, 18. Ok. On va en prendre quoi? 20. Beaucoup, peut-être 20. Allez, on va dire 10 pour la ligne 1. 10 pour la ligne 2. Et quoi? 2, allez, 3 pour la ligne 3. Super, c'est parti. On lance le tout. Voilà, comme ça va commencer un peu à nous rapporter un peu d'argent. Alors, vous voyez ici, ils ont besoin. Tac, 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 tac. Ici, ils ont besoin de pain aussi. Donc, on pourra très rapidement exporter tout ça. Ça sera très intéressant. Donc, on a ça. Alors, les outils. Il faudrait que je trouve où ils veulent des planches. Hein. Est-ce qu'il y en a qui veulent des planches? C'est fou, il n'y a nulle part où ils ont besoin de planches. Ah, ou c'est peut-être pas une ressource, les planches. Ouais, c'est sûrement pas une ressource finale. Voilà, c'est pour faire des petits trucs comme ça. Ok. Donc on avait vu hein, quelque part ici. Ok. Donc on pourrait faire de là, il va jusque là, et de ici, il va jusque là.
Ça pourrait être pas mal comme, comme tracé. C'est assez plat encore. Et ça pourrait vraiment valoir le coup. Ouais. Bah écoutez, on tente ou quoi? Alors, bâtiment, on va dire, il doit passer par ici, hein. Ça a rien de... Vers là-bas, ça a rien. Ah, quoique, je vois que là, ils ont besoin de d'outils aussi. Et les outils les plus proches, il n'y en a pas. Donc, on va plutôt mettre une gare comme ça. Alors, par contre, j'ai des petits lags, j'ai l'impression. Je crois que je devrais fermer Chrome, etc. pour la prochaine fois. Ce qu'on va faire, hein. Mais pas maintenant. Alors, les aperçus, blablabla, ok. Alors, on perd de l'argent pour le moment. C'est pas trop grave, ça va, on a encore de l'argent, donc on va pas s'en plaindre. Comment on fait des routes? Rue. Ok. Alors, on va prendre une petite gare. Est-ce que ça passe comme ça? Apparemment, ça passe. Et c'est assez dégueulasse. Hein. En vrai, moi j'aimerais un truc comme ça, donc. Un truc comme ça, et puis genre ici ça devrait le faire. Parfait. Donc de là, après il va jusque, il va quand même jusqu'ici, hein. Il va quand même jusque là. Alors je suis désolé, j'ai vraiment du mal à réutiliser les touches. Ok. Je vais prendre une seconde pour fermer certains petits trucs qui consomment. Bon, je suis désolé, ce sera encore lent pour cette game-ci. Je... Voilà. Alors, rail. Ah ouais, par contre, il est enfoncé là dans le sol, c'est pas cool ça. Oh là là, j'ai tellement du mal. Alors, comment est-ce qu'on monte en hauteur encore ici? Ah, je crois pas qu'on pourra monter, je crois que c'était assez... assez chaud de faire tout ça. Oula. C'est vrai, j'ai zappé moi tout ça. S'adapter. Parfait. Parfait. Bon, ça va sûrement nous coûter très très cher. Je veux dire l'ensemble de tout ça, mais ça peut nous rapporter gros aussi.
C'est ça que je veux dire, quoi. C'est que on investit et en même temps, ben, ça vaut le coup pour le moment. Alors, on va quand même voir parce que ben, je vois qu'on perd beaucoup d'argent. Est-ce que. Comment ça se passe, nos lignes? C'est ici? Alors, on gagne beaucoup d'argent, donc je crois que c'est surtout parce qu'on dépense beaucoup. Mais ici, ça a l'air de plutôt bien se passer. Il y a beaucoup. La ligne 3, là, on va pouvoir augmenter un peu plus les sorties. En mettre 5 en plus. Voilà. Et ici, je peux aussi en mettre plus si je veux. On va laisser accélérer le temps comme ça, hein. Ça sert à rien de faire plus. Quoique, je sais pas. Allez, on va faire de moitié. Bon, on va lancer notre premier train quand même, hein. On va essayer de vite faire ça encore maintenant, comme ça, ce sera bon. Hop, rail. Tu vas là, ou tu vas là. Voilà. Donc ça, c'est cool. On va maintenant mettre les dépôts de véhicules. Hop, on tourne. Et même chose, on retourne encore. Pour arriver, alors. Ça permet de décharger. Est-ce qu'on va avoir besoin de l'utiliser en véhicule? Je ne crois pas. Donc je crois qu'on peut le décharger directement là, c'était pas ça? Il n'y a pas un truc pour décharger. Avec accès au type pour gare de fret. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ok. Et alors je veux quand même bien que il fasse un truc genre de ce style-là. Voilà. Ça, s'ils doivent passer, ben, ils peuvent directement. Super. Et on va commencer alors. Hein. On va dire de là à là. Ah ouais. Ok. Ok, ça veut pas. Donc, bah, c'est chiant. Bâtiment de marchandises. C'était bien ça pourtant. Ouais. Divers, entrée secondaire. Quai. C'est fou. Je croyais qu'on pouvait. Peut-être que c'est pour l'export du coup. Écoute, je vais quand même tester. Celle-là. Bon, que ça marche pas. On va faire un petit arrêt. Parce que c'est ça au final, il faut juste déposer. Donc, on va déposer. Voilà. Tu déposes ici. C'est bon, hein, normalement. Ça touche quand même, ouais. Parfait, tac tac tac. Et c'est ça. Voilà. Parfait. Même chose, lui, de là à là. Lui, il va aller de là à ici. Et là, on doit encore faire une gare. Enfin, une gare routière. Bien financé, ok. De là à ici. Voilà. Ligne de là à là.
Parfait. Alors, c'est parti. On va commencer à faire notre bâtiment, notre dépôt. Je vais acheter 20. Ah ouais, on n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas trop grave. Enfin, c'est pas trop grave. Ça nous coûtait quand même beaucoup d'argent le train. Je vais en prendre 20 pour juste cette ligne ici. On va pas encore exploiter celle-là parce que je veux d'abord pouvoir faire mon train. Acheter véhicule. Alors, on va se prendre. Ah ouais, ça coûte cher, hein. Écoutez, celle-là elle coûte quand même beaucoup moins cher, elle coûte deux fois et demi moins cher, donc on va l'ajouter. Et du coup, on va prendre, c'est pour des planches. Allez, j'en mets 3. 4. Alors, on va mettre 3 pour le moment, pour pas trop abuser. Voilà, et on va du coup le dépôt. Ouais, on va aussi faire un dépôt là-bas, on va pas se compliquer la vie. Parfait. Et on va prendre 4 pour cette ligne 7. Ok, donc normalement on est censé être bon. On est censé commencer à avoir beaucoup de choses. Alors ça fait un peu de trafic pour le moment, mais normalement ça devrait rapidement aller. Ok. Ça va aller. Ici le train ça devrait aller. Ligne 7 ça devrait aller. Et ici on gagne pas mal, hein, donc c'est cool. Est-ce qu'on va pouvoir faire plus? Alors non, par contre on peut peut-être envoyer plus ici. Là, la production elle est un peu bridée, donc on va ajouter quoi? On va en ajouter 10. Pour la ligne 2. Je pourrais pas en ajouter 10 pour l'autre. Ok. Bah écoutez, je crois que on est sur un bon premier épisode. On va un peu voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer. Ici, est-ce qu'il commence à produire des planches? Normalement, oui, hein. Normalement, il commence. Ah ouais, ben voilà. Et c'est déjà rempli en partie. Alors, on va voir si 21 va nous rapporter. On va attendre le premier trajet de train. On peut même le suivre, je crois. Alors, si j'arrive à. Ah, j'ai réussi, voilà. J'ai regardé s'il n'y a pas un autre mode pour la gestion. Alors c'est juste moi qui suis nul, hein. Pour la gestion du. Allez. De la molette, etc. Parce que c'est assez chaud. J'ai du mal. On avait une vue, hein. Voilà. Hop là, bonjour. Ah, c'est quand même beau, hein. Il est quand même beau ce jeu. Franchement, je trouve que. Un niveau comme ça sur City Skylines. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça serait cool. Ah ok, ah c'est moi. Merde, attendez. What? Non, je veux pas, ok. Ok, donc ici c'est bien, il semble que vous soyez à court d'argent, pourquoi ne pas contracter un prêt? Oui, ça va. Voilà, on vient de livrer. Donc ça nous a rapporté 49 000. Donc normalement ça devrait aller. Parfait, donc lui il va produire ici et après on va pouvoir faire tout ça. Parfait. Ok, ben les amis, écoutez, on va s'arrêter là, hein. Je vais arrêter de continuer à parler, etc. On va pas non plus rester des heures sur ça. Hop, lui, on va lui dire de faire demi-tour parce que ça sert à rien de toute façon. Ok, bon, ça veut pas. Ok.
Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça va vous plaire, cette série. J'ai vraiment envie de retourner un peu sur Transport Fever. Il y a beaucoup de Cities Skylines aussi, donc je ne veux pas faire que ça. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, bah, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!